Oui, ce soir dans notre séquence ping-pong, je reçois Yves Sant et André Julliard pour leur aventure de Blake et Mortimer, le sanctuaire du Gondwana. Ils vont répondre à une critique de Jérôme Gautret du Monde. Messieurs, bonsoir. Alors, parlons d'abord des aventures de Blake et Mortimer, car vous êtes les heureux successeurs d'une lignée dans la tradition de Blake et Mortimer, créée par Jacob. Est-ce que c'est asphyxiant, contraignant ou bien... Oui, contraignant. Il y a un cahier des charges, disons, respecter un style. D'ailleurs, il ne s'agit pas de, mon collègue le dit souvent, de faire du Jacobs, mais de faire du Blake et Mortimer. Mm-hmm. Raconter des histoires qui se passent dans les années 50 avec des personnages qui ont une physique assez bien définie malgré tout. Et puis essayer de rester dans l'esprit de tout ça. Bon, on va écouter, parce que je crois qu'il doit piaffer d'impatience, notre critique, donc Jérôme Gautret du Monde, dont vous appuyez, qui veut bien appuyer sur cette petite barre. Et voilà, nous développons. Tu me dis, dès que tu veux appuyer. Vous interrompez quand vous le souhaitez. Bonsoir. Alors j'ai publié dans Le Monde des Livres une critique de votre bande dessinée qui s'appelait, que j'avais titré, Blake et Mortimer, héros fatigués. Je l'ai titré ainsi parce que j'appartiens à une génération qui a découvert les albums de Blake et Mortimer assez tôt. Et qui a donc grandi avec la frustration de ne pas avoir plus d'albums, parce que finalement Jacobs en avait fait assez peu. Là j'interromps commentaire, ce n'est pas une critique qu'il nous fait là pour le moment. Non. C'est cette frustration dont ce monsieur parle, parce qu'on l'a tous connu enfant. Quand on a lu tous ces Blake ou tous ces Tintin, moi, ils existaient tous en album quand j'avais 10-12 ans, à l'âge où je les ai découverts. Je les ai tous lus, je crois, en l'espace de 2-3 ans. Et après, c'est déjà fini, on en veut plus. Et je crois qu'un des grands plaisirs de... On en a souvent parlé entre nous, tous les repreneurs, c'est de pouvoir se dire un jour, on nous donne la possibilité de faire ce bouquin en plus qu'on aurait aimé lire à l'époque. Et la base de notre motivation, elle est là. Et il se trouve que depuis une dizaine d'années, il y a de nouveau des albums de Blake et Mortimer qui sortent. Et alors, on les attend toujours avec une certaine frénésie. Et puis, avec plaisir, on les découvre. Et alors, le problème, c'est que ce plaisir est toujours un petit peu ambigu. Il est ambigu parce que, dans un premier temps, au premier degré, on est vraiment content, on retrouve Blake et Mortimer dans un nouveau cadre, on revoit des personnages qui avaient déjà apparu. Et puis après, il y a tous les manques qui apparaissent. Et à ce moment-là, les manques deviennent terribles. Parce que, évidemment, on compare les albums. Je comprends très bien la remarque, et le mot ambigu est très bien choisi. Bah oui, parce bien. Que, par définition, notre rapport à l'enfance est ambigu. Blake et Mortimer, pourquoi on se précipite avec frénésie dessus? C'est parce que ça nous a vraiment marqué quand on était gamin. Mais quand on reprend la nouveauté aujourd'hui, on n'est plus gamin, on est adulte. Et on ne sait plus très bien où on se positionne finalement. Est-ce qu'on est toujours l'enfant qui a envie de le rester quand il y a un album, ou est-ce qu'on est l'adulte qui a perdu une part d'enfance, qui est peut-être son cas un petit peu. Et voilà, l'ambiguïté, elle est inévitable. Bah, plaisir ambigu. Plaisir ambigu, moi je crois que c'est presque un pléonasme, non? Oui, en fait. Ses prédécesseurs. Et donc, on en vient à comparer votre univers, l'univers dans lequel vous faites évoluer Blake et Mortimer, avec celui de Jacobs. Et c'est là que ça devient très difficile, parce que Jacobs avait effectivement certaines caractéristiques, c'est-à-dire une certaine précision documentaire, un soin des détails très important. Mais en même temps, il y avait... Qu'est-ce que ça laisse sous-entendre? Vous n'auriez pas cette même précision documentaire? Non, là... Peut-être attendre la suite. Non, mais dans la marque jaune, il y a quand même une voiture londonienne qui a le volant à gauche. Donc la précision légendaire de Jacobs, il y a le mot légendaire qui doit l'accompagner. Voilà. Ceci dit, nous sommes obligés, vu cette légende de précision de... maniaque. Plaisir. Oui, on est obligés de jouer ce jeu-là, et c'est vrai qu'on se documente beaucoup, mais... environ 700 cases, il y a peut-être, Peut-être un manque à un endroit. C'est un jeu, ça peut être un jeu que de mais c'est un jeu pour les lecteurs aussi, d'aller chercher... Savoir si cet avion, si cette voiture... Ça, vous pouvez lui faire confiance. Avion, je suppose que voilà. Oui. J'ai pas l'impression que c'est ça, véritablement, le fond de sa critique. D'accord, avançons. Écoute, la seule vraie nouveauté, c'est les femmes qui arrivent dans le... Dans le dispositif, mais sinon, à part ça, on a l'impression que c'est toujours la même histoire qui recommence.
ce qu'on essaye de faire, ça peut-être que monsieur l'a moins remarqué ou ne l'a pas assez souligné, c'est justement introduire petit à petit des touches de modernité qui nous permettent de faire bouger doucement cette série sans que le public nostalgique ne s'en rende compte. La présence des femmes est un élément fondamental puisque par définition, ça change tout dans les rapports. On parle de discrètement, doucement, des responsabilités de l'homme face à son environnement. C'était peut-être moins d'actualité dans les années 50, les gens y pensaient moins. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait que l'album est fait pour le lecteur d'aujourd'hui. On pourrait peut-être faire une parenthèse sur ce propos, parce que vous avez employé le terme d'écologie dans les coulisses de Black et Mortimer, c'est-à-dire une préoccupation, elle, plus moderne, plus actuelle. Même. Et il y a bien ça aussi dans votre propos. Mais... Oui, il y avait dans le précédent aussi, il était question de colonialisme. Bon, dans les années 50, il était pas vraiment, même si ça bougeait pas mal un peu partout, si les empires craquaient, c'était pas une préoccupation qu'on pouvait retrouver dans une bande dessinée. Alors, un dernier petit coucou à Jérôme Gautret, un petit coucou sympathique, c'est la tradition dans cet exercice-là. Un petit coucou sympathique. Eh bien, merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer. Au revoir, Julia. Oui, et puis de reparler de peut-être des souvenirs communs concernant Black et Mortimer. Oui, et puis du plaisir de lire des BD, hein, quand même. Le sanctuaire du Gondwara, donc. Nous échangeons avec Yves Sant, scénariste, et André Julliard, le dessinateur, à propos donc de ce 18e album de Black et Mortimer. Et je vous conseille, pour tous ceux qui crayonnent en douce ou qui veulent savoir quelques secrets du côté du scénariste et du dessinateur, de lire Dans les coulisses de Black et Mortimer. Voilà tout ça chez Blanc. Alors là, l'éditeur, qui est l'éditeur là, Black et Mortimer. Black et Mortimer. C'est les éditions Black et Mortimer. Voilà. Et c'était dans le testament de Jacobs qui voulait que ses albums soient publiés sous son propre label. Voilà, d'accord. Donc vous êtes des héritiers respectueux, messieurs. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Allez.